Il est mort. Et réveille-toi. Laisse tomber. Il est mort. Sérieux? Punaise. Ouais, tu sais, c'est comme ça. Hein. On va en avoir beaucoup. Beaucoup de nos équipages vont périr, tu sais. Enfin, tu voulais dire de nos équipiers. Oui, voilà, de nos équipiers vont périr. Du coup, on en fait quoi? On le jette à l'eau comme l'autre? Mais t'es fou ou quoi? T'es cinglé? Y'a que les corps des ennemis qu'on jette à l'eau. Pas le corps de nos équipiers. Oh, voyons. Bon, Dieu, pourquoi je t'ai nommé corsaire? Punaise. Et c'est bon, je voulais juste savoir, hein, du calme. Bon, du coup, on va le mettre où? On va le mettre dans la chambre d'hôte. Le truc qui a son nom. Y'a pas un autre nom, normalement. Si, mais vu que je m'en souviens plus, je m'en fous, je l'appelle la chambre d'hôte, d'accord? Bon, ok, mais pourquoi le mettre dedans? Ça va pourrir, ça va sentir le poisson pourri. Tu sais, corsaire, il y a une légende qui dit que si tu laisses un mort de ton équipier que t'aimais beaucoup dans la chambre d'hôte, il va disparaître. Et un jour, tu le verras ressusciter en squelette. Attends, toi, tu veux dire que un équipier peut ressusciter en squelette? Oui, même que quand il sera ressuscité en squelette, il aura le pouvoir de téléportation. Capitaine, vous savez au moins que c'est des âneries. Ce n'est pas des âneries. Un équipier, enfin, c'était pas un équipier, c'était plutôt mon capitaine, car moi j'étais pas capitaine, qui était comme ça, qui a été ressuscité. Et oui. Maintenant il est mort. Oui, malheureusement. Mais il est ressuscité pendant combien de temps? Pendant une semaine. Mais c'est nul! Oui. Mais il peut ressusciter normalement, c'est-à-dire pas en squelette, tout le temps, jusqu'à ce qu'il meurt d'OBS. Si, donc ça c'est notre légende, si il réunit les 7 boules de cristal, donc c'est des sortes de boules oranges avec des étoiles rouges dessus, il y en a jusqu'à 7, donc 7 étoiles, et si tu les réunis, il y a Shenron qui va venir, et tu peux exaucer 3 vœux, mais tu peux exaucer avoir un million de pièces d'or, comme ça tu vois, tu peux exaucer n'importe quel vœu et il te le fera. Oh trop cool, on les trouve où ces 7 boules? Ils sont éparpillés partout dans le monde. Personne ne les a trouvés, sauf un. Et c'est qui? Goku. Enfin, le mec, je sais pas s'il est vivant ou mort, mais je l'ai vu dans une série télé. What? Il y a une télé dans le bateau? Non, quand j'étais jeune. Je savais pas qu'à l'époque des pirates, il y avait des télés. Bah t'es un pirate et on est à l'époque des pirates. Alors pourquoi tu parles de télé? Ah, paradoxe temporel! Ils l'ont vu! Et en fait, sur Terre, c'est Bardock. Ah, cool! Cap au Nord! Capitaine, vous pouvez continuer votre histoire, là, avec Bardock, machin? Oh non, là, on a trouvé les... Enfin, les autres... je pense que je la rencontrerai plus tard. Ok, je suis impatient. Allez, suivez-moi. Ok, tout le monde est sur l'île. L'ancre a été jetée. Ok, alors écoutez-moi bien. Vous allez me suivre à la Philadienne. Fouillez tous les recoins pour trouver ce trésor. Je compte sur vous. C'est parti. Allez, suivez-moi. Ok, c'est un cul-de-sac. Allons dans l'autre sens. Attendez, laissez-moi passer. C'est bizarre cet arbre. Capitaine, c'est un palmier. Oui, c'est pas le mien. Surtout qu'il y a du sable alors qu'il y a de la pierre. Bon, allez, contournez-le. Attendez-moi quand même. Ah, je me repense. Quoi, du sable mouvant? Vite, dandine-toi. Ah, je suis sorti. Merci, corsaire. Tom, corsaire, regardez. Oh, un trésor! Bon, vu qu'on n'a pas de pelle, c'est moi qui creuse avec mon bateau. Ah, attention, ça tombe! Oh, le trésor! Hein, quoi? C'est une pièce? Une grosse pièce. Oui, bon, bref. Ok, c'est parti, bah donc on a le trésor, tout le monde remonte sur le bateau. Levez l'ancre!
Ça sera très bien comme déco ici. C'est très joli, capitaine. Oui, merci. On s'est reparti. Capitaine, capitaine! Quoi, reine de... Arrête de crier. Regardez la carte, y a pas un truc qui saute à l'œil? Attends, laisse-moi regarder. Ah! On s'est trompé d'île. Bon, c'est cap nord, est, ouest ou sud? Cap nord, capitaine. Ok, alors cap nord. Au même moment, chez les Égyptiens. Pardon. Nous étions surpris de vous voir apparaître comme ça. Pardon, pardonnez-nous. Bon, ok, je vous pardonne. Mais je voulais vous dire un truc important. Ah oui, donc nous écoutons, Pharaon. J'ai une belle et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Dites-les-nous, s'il vous plaît, Pharaon. Bon, la bonne, c'est que les Égyptiens, qui ont été à la conquête des pirates, ont tué un de leurs équipiers. Oui. Mais la mauvaise, c'est que le chef a été tué par les pirates et que tous les autres... Que tous les survivants ont été à la cale. Oh non ! Si, tout ça parce que vous êtes incompétents ! Ah, pardonnez-nous, Pharaon ! Oui, dans la cale, c'est l'humiliation ! Bon, désolé, ma gorge est totalement pétée parce que j'ai crié pendant toute la journée ! Bon, bref, vous allez partir à la recherche des pirates et quand vous les trouverez, vous les massacrerez ! D'accord, Pharaon. Et j'espère pour vous que vous allez réussir. Sinon, je vous tuerai! Non, s'il vous plaît, Pharaon! Par contre, si vous réussissez à délivrer les autres Égyptiens et à décimer les pirates, vous aurez le droit à un petit cadeau. Et c'est quoi le cadeau, Pharaon? C'est 1 milliard de pièces d'or. Ouais, trop cool! Bon, allez, c'est parti, partez! Ok, Pharaon. Bon, bah... Allez, je vais jouer moi. Une petite, je vais me regarder un petit film, tiens, ouais. Je vais me regarder Aladdin 2. C'est parti. Et donc voilà, c'est la fin du deuxième épisode de Playmobil Pirate. J'espère que ça vous aura plu. Donc si la vidéo sort lundi au lieu de dimanche, bah désolé, voilà, c'est juste que je tourne cette vidéo à 18h et je me couche à 20h30. Donc voilà. Mais si elle est sortie, bah dimanche, tout simplement. Mais tard, bah, je vous dis désolé. Voilà. Je sais pas si elle va sortir lundi ou demain, je sais pas. Mais je vous dis désolé d'avance, voilà. Et donc, bah voilà, bah ciao.